Chasse à l'orignal? Oui, monsieur. En Témiscamingue. C'est ça? Oui. Yes, sir. Regardez-moi ça, ce paysage magnifique. Bon, ben là, il est 6h30. On a le brouillard total. On avance, puis on voit des petits chacs ici et là. Là, évidemment, Huawei rend l'image beaucoup plus claire que c'est. On voit carrément rien. Bon, ben, on est rendu dans Zec. Un petit peu de brume, puis la route a rétréci. 15 minutes trop de bonheur. Les gars sont encore endormis. OK. Ben, c'est ça. C'est circulation obligatoire, Zec. Maganazipi. Bon, concours de panache qui est commencé. C'est moi qui ai fait on ça. On est arrivé à Zec. Hey, écoute bien, ben, on va se souvenir de toi dans une petite vidéo. Hey, yes sir, mon Denis. Là, c'est dur à battre, là, mais on arrive au lac de Céline, au lac Céline. Mais c'est pas Céline Dion, je peux te dire ça, moi, ni Céline Dior. C'est Céline à Denis, là. Regarde, le chemin, il se voit même pas par satellite parce qu'on est caché à l'intérieur du bois. Yeehaw! Ouais. Ça, c'est comme la petite misère. On va passer là-dedans, tu créeras pas ça. Check bien ça. Ouh, qu'il faut pas pogner. Après ça, on continue dans le bois, puis... est arrivé au camp. Ouais, monsieur. Puis là, ben, c'est parfait. On va en profiter. Puis là, ben. Bon. Denis est à l'œuvre. En train de faire du ménage devant le camp. Écoute, c'est magnifique. De toute beauté. Il y a du boulot. C'est vraiment beau. Hey, le spectacle est féerique en automne. C'est magique. Hein? On niaise pas avec le puck. Et où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on dort? Au Canada! Oui, c'est bon! Un autre petit coup, puis tu y as. Ça a avancé. Yes, sir! Ça, c'est le petit chemin. Alors, on voit le trailer, là, puis le camp est en arrière. C'est le petit chemin qu'on prend pour venir chercher de l'eau. Alors, on vient chercher de l'eau ici. Dans ce petit lac, tout calme. Ça a l'air que Denis n'a jamais vu de roche ici. Le niveau de l'eau est très bas. Bon. J'arrive la chasse au jour 3. Alors le trailer est là, puis il y a un matelas qui sèche. Le tank à Denis, puis notre camp. Alors, c'est notre magnifique vue sur le lac. Alors, la journée 1, j'ai parlé de Denis à Denis à propos de mon ami imaginaire. Puis, à la journée 2, ben, on avait deux amis imaginaires. Fait que là, il riait bien, mais il était pas trop sûr, tu sais. Il se posait la question, coudonc, Charbonneau, il est-tu fou ou pas? Ben, là, on est rendu à la journée 3, puis là, je vais y expliquer que les deux amis imaginaires qui s'assoient là, puis là, là, ben, c'est Suzanne puis Diane, voyons. Fait que là, ben, je vais vous faire visiter les derrière du chalet. Alors, soyez indulgents. Alors, on rentre, puis c'est la salle de bain. Ouais. Puis on a fait un petit spécial cette année avec une urinoire. Oui, bon. Miroir ici. La cuisine. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'il faut. On a des chaudrons en masse. Une chambre accessoire ici qu'on n'utilise pas ce week-end. Notre table, les orignaux au mur, fanal, les gants sont accrochés, un autre fanal, chaufferette, de la bière évidemment, et nos deux lits. Voilà, fait que ça se termine comme ça à 4 heures aujourd'hui.
Bon, ça a l'air de quoi? Un 4 roues de chasseur? Mais ça a l'air de ça. Fait que, essence d'espère pour être capable de scier du bois. Chaîne ça, bien attaché, évidemment, avec de l'huile pour la chaîne ça. Et une hache, parce que de la corde. Parce que, ça a l'air qu'un orignal, on rouvre ça à hache. Bon, fait que, y a pas de niaisage. Puis là, ben, j'ai laissé un petit cadeau à Denis, parce que moi, je m'en retourne au camp à pied. Parce que lui, il est parti loin, 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 loin. Fait que, il va revenir ici. En fait, il m'a donné un lift un matin pour que ça soit trop, trop long pour moi. Fait que, très chic, très sympathique. Fait que, là, ben, moi, je m'en retourne. Je m'en retourne avec mon gréement, ma carabine, mon gant, mon pack-sac. Là, je prends le chemin du retour. Fait que, on va se revoir au camp tout à l'heure. Je suis dans le camp et il est 10h30, puis on sort dehors, la poubelle est là, il pleut encore, ça fait 3 jours qu'il pleut, on voit rien. Là, Denis, il va engueuler, check bien Denis, Denis là, il va engueuler, il va les engueuler, check les, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que sortez ma gang de ce petit pourri? Vas-y, vas-y. Hey! Enlevez-vous, tabarnak, puis marchez, tabarnak! Oh, piquez-moi jusqu'à dimanche, je dis, je m'en connais! Ouais, réveillez-vous, ici, pour demain, allez marcher, ouais! On va pas de pétrin! Ouais! Ok, il neige. Là, je t'ai soufflé parce que je reviens au 4 roues. Denis vient de tuer le boc. Il était à 300 pieds en avant de moi. Fait que, let's go. On va chercher la cagnotte. Bon, on est arrivé sur le tir. Hey, qu'est-ce qui est arrivé? Hey, je m'en vais ici. M'en venant, j'entendais. Tu sais, d'abord, il était juste là, tu sais, à 30 pieds de moi. Hey, j'ai levé ma carabine, puis. Ah, tu sais, il est tombé direct là. Bon, on s'en va le voir. Hey, monsieur, regarde ça, la belle petite bête. Hey. Hein, mon Denis? Yes. T'es content? Oui, j'ai remercié mon père. J'en ai pleuré. Check ça. J'ai dit, Chris, papa, fais-moi tuer un orignal rendu vendredi. Hey, il est beau, parce que... Ouais, okay. Hey, tape là-dedans. Yes, sir!
Yeah. Bon. Bon, ben, ça y est. La bête est en deux morceaux. Les entrailles sont là. Là, ben, on coupe. On coupe les deux pattes en deux. Cœur sensible. Température idéale. Il neige présentement. C'est magique. Et là, le rien marche. Et ça fait. Donc on coupe la tête 3 pouces en arrière des oreilles, et la langue sortie, un panache évalué à 28 pouces à peu près. Évidemment, ben, on n'a pas de galon mesuré. Un oreal de 3 ans. Un oreal de 3 ans? Ouais. C'est bon, c'est bon. Fait que... Tout est dans l'ordre de l'accrocher après l'arbre. Là, ben, il va passer en nuit là. Ça, c'est les deux pattes. Là, il reste là devant à accrocher, mais il n'est pas encore coupé. Fait que, il ne faut pas que l'ours vienne le manger. Ça fait partie des points d'interrogation. Bonsoir, mon frère. Juste avant de monter à côte. Fait que là, le haut est coupé en deux. Ça, c'est la partie la plus difficile à couper. Là, on est en train de couper à patte pour avoir ça de moins de poids, entre autres. Puis, les spare ribs sont là, Suzanne. Fait que tu risques d'en manger. Le soubouko. Au soubouko aussi, bon. Soubouko, je te sais. Ça va être bon, ça, Suzanne. Le soubouko. Diane, elle aime ça, les soubouko? Ah, si, c'est bon. Elle a adoré ça. Bon, ben, le truc pour pas que l'ours vienne manger la viande, c'est de mettre du sapinage à l'entour de la viande. Là, si l'ours, lui, il va juste voir en haut la bouffe, les entrailles, puis il va nous laisser ça tranquille. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, ben, là, c'est le vidéo final de l'orignal. Regardez la face, il est bien installé devant le magnifique quatre roues que Denis nous a trouvé. Hein, mon Denis, qu'est-ce que t'en dis? Tu es content de ton quatre roues? Oui, je suis content. Il va nous emmener dans l'orignal, j'espère. Notre orignal n'est pas sorti du bois encore, il n'est pas rendu au camp. Notre orignal est en haut, là, pendu. On va attendre que la viande vienne raide. Parce que sinon, là, si on met ça sur le bicycle tout de suite, là, la viande a fait ça, là, sur le bicycle, la viande est molle. Puis on scrape la viande est finie, elle chauffe. Faut pas que les muscles se promènent de même. Faut que ça s'aille. Que les muscles soient raides. Merci, mon Denis. Bon, ben, Denis a dit, on s'en va dans la cache, on va dîner, on va coller. Ça, c'est juste pour le fun. Peut-être qu'on va voir une femelle, un mâle, une mâle, une femelle. Peut-être un troupeau, on sait pas. Fait que, on est vendredi. Dernière journée de la semaine ouvrable. Il restait samedi puis dimanche pour tuer. Fait que on est dans nos temps. Tout est parfait. Tiens, regarde, il y a un orignal dans la cache. Il sort la tête. Tu le vois-tu? Il est là, il est en haut, là. Je viens de le voir. Ça, c'est la superbe vue là-bas. Là. On va aller voir ça d'en haut de la cache. Bon, ben là, on est dans la cache, puis on check en collant. Denis, il fume sa petite cigarette, puis il est content. Une main qu'on gaule.
Hey Denis, c'est relaxant de te voir faire quelque chose calmement, tout doucement. C'est rare, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça me semble, là, c'est pas normal. Puis en plus, il n'y a même pas une cigarette. Il y a un problème. Hey, là, il relaxe. Puis pour moi, il dort. Je fume jamais quand je travaille. Pour moi, il dort. Je suis sûr, là, il dort. Là, je suis bien. Je relaxe. Mon arrière est tué. Je relaxe. Là, là tu vas voir, ça fait... Et après, c'est parti. Bon, ben, notre chasse est faite. On fête ça au champagne. Monsieur va ouvrir le champagne. Je vais le faire popper. D'habitude, je le pop pas, là, mais là, je le fais popper, c'est volontaire. Oui! C'est beau, ça! Ah. Hey, on est arrivé. Bon, on prend du champagne, vu qu'on a tué. Ben, quand famille Nadeau, on rit plus. Hey. Let's go. On remplit ça, mon Denis. On l'a mérité. On a bûché. On prend ça à santé de Diane, puis Suzanne. Ah, ouais! À votre santé, les femmes. Attends. OK. C'est, comment t'as dit ça? C'est fini? C'est quoi, là? Ah ouais, ah ouais. Ouais! La chasse est finie. La tête est arrivée. La viande est là. Là, on est au camp. On est au camp. C'est parfait. Ouais. 32 pouces de panache. 32 pouces. Fait que, un beau bac de 3 ans et demi. On est rendu. Le truck est prêt à partir pour demain. On est au camp, on a un coucher de soleil magnifique. En plus, ben c'est ça, on a quelques petites bricoles. Oh! Oh! Oh, le buck! Check le buck! On veut voir les fesses du buck. C'est les fesses du buck! Ouais! 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 Ta ta ta! Je suis le tueur! Ouais!